Je crois que ça va démarrer, hein. C'est un petit peu à la bourre, mais comme tous les événements en général. Moi, je me connecte toujours un petit peu avant, pour être sûr. Ouais, j'ai encore des... C'est parce que tu as du temps, toi, de te connecter à l'avance. Oui, bah, écoute, t'es gentil. Ça, c'est les boîtes de service. Oui, monsieur est dans l'industrie, monsieur a 200 salariés, monsieur fabrique des trucs, donc intéresse-toi un peu au sujet, tu vois, ça va démarrer, il y a peut-être des trucs que tu peux apprendre. Voilà, je me connecte juste parce que c'est toi, quoi. Déjà, c'est bien que tu te connectes, hein, parce que tu vas apprendre des trucs, notamment sur l'humain au cœur de l'entreprise. Voilà, c'est un truc important en ce moment. Oh là là là, c'est tellement surfait comme titre. L'humain au cœur de l'entreprise. Bah, ça claque, hein, tu vas me dire. Hein. Mais l'humain au cœur de l'entreprise, enfin moi c'est les machines au cœur de l'entreprise. L'humain c'est une jolie formule, mais moi tu m'enlèves les machines, c'est mort. Tu m'enlèves les humains, ça continue à tourner un peu, mais les machines c'est mort. Ouais, mais pas longtemps. Tu vois, faut penser aujourd'hui, mais faut penser demain, faut penser à l'avenir, faut penser recrutement, faut penser jeunes profils, profils atypiques, zèbres, HPI, nouvelles formes de recrutement, tu vois, comment tu les gardes, comment tu les élèves, comment tu les fais grandir. Tout ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Mais bon, faut renoncer, essayer de garder les gens, ça marche pas. Déjà, les gens, les jeunes et les moins jeunes, déjà, en fait, ils se projettent pas longtemps. Ce qu'ils veulent, c'est des contrats à mission, tu vois. Ils veulent 6 mois. 12 mois, 18 mois, 24 mois, c'est de l'éternité pour eux, donc c'est même pas la peine. T'as des enfants, toi? Ouais, je vois pas le rapport, j'ai 4 enfants, oui. Ouais. J'en ai une avec ma première femme, 2 avec ma deuxième, ouais. Et le 4e avec une autre. Ils sont en âge de faire des études, ils vont faire des trucs? Ils font des études, tout à fait. Ouais. Ils ont envie de reprendre la boîte ou pas? Compliqué. Ouais, trop de travail, trop de ils veulent faire un peu comme toi. Quoi? Tu vois, des trucs un peu évanescents, tu vois, de l'immatériel, quoi. Un truc où, tu vois, c'est sympa, tu vois, mais le sens, tu vois. Alors que moi, ça produit. Tu vois, tu finis ta journée, tu regardes ce que tu as fait. Tu es fier. Tu vois, tu te sens pas comme une serpillière comme ça, en train de par terre qui a servi à rien. Tu es droit, tu es debout. C'est bien que tu te sois connecté, parce que je pense vraiment que tu vas apprendre des trucs. On verra. Si, il y a Grégoire, il a des lunettes, il est sérieux, intéressant, et il va prendre la parole. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci à nos camarades de la Belle Boîte. Alors la Belle Boîte, pour les Nantais, et alors peut-être qu'ils les auront reconnus, sont les trublions, on va dire, des RH et de l'improvisation d'entreprise, qui rejoignent le mouvement Belle Boîte, donc on est très content de les compter parmi nous. Ce mouvement Belle Boîte, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qu'on a impulsé l'été dernier pour questionner la place de l'entreprise aujourd'hui dans la société. On voit que cette place, elle évolue, de plus en plus la société s'invite dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis il y a cette expression populaire, Belle Boîte, qui nous questionnait. On s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Alors, on a lancé cette chose-là, qui est une réflexion collective qui s'anime autour de rendez-vous, comme ce soir, de podcasts qui vont venir bientôt en ligne, et puis d'une étude qu'on a lancée en partenariat avec Audencia et la chaire entrepreneuriale et société, entrepreneuriat familial et société, avec Chrysalide, film qui s'occupe de retransmettre, de filmer, de capter tout ça. Donc bienvenue à ce nouveau rendez-vous Belle Boîte. Pour ce nouveau rendez-vous, le 4e, on avait envie de questionner la place de l'humain dans l'entreprise. Alors effectivement, le titre est un peu bateau, parce qu'il est très large, et en même temps il veut dire beaucoup de choses, et on voit bien que la thématique est large. De questionner cette place, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, cette pandémie, cet arrêt, cette reprise du travail, cette distanciation ou pas, cette... première ligne, ces métiers de première ligne, seconde ligne, il y a plein de choses qui viennent questionner. Donc des évolutions qui étaient déjà en cours, d'autres qui s'accélèrent. Et donc pour parler, pour échanger avec moi ce soir, j'ai... alors, petit détail, n'hésitez pas, ceux qui sont derrière vos écrans, et là c'est le moment youtubeur, à interagir avec nous, à marquer vos commentaires dans le chat, à mettre des pouces, à relayer auprès de vos amis, bref, à interagir avec nous. Ici sur le plateau, voilà, j'ai la grande chance et l'immense bonheur d'accueillir ce magnifique plateau avec, et je vais commencer à ma gauche par celle qui nous vient de loin, qui nous vient de Belgique, Valérie Denis. Bonsoir, vous êtes fondatrice et dirigeante, directrice du cabinet Atlando et membre de la chaire entrepreneuriat familial et société d'Audencia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à nous à Nantes. À côté, nous avons François Badénès, fondateur de la Fabrique du Changement. Peut-être tu, vous, on verra. Voilà. Peut-être nous en dire un petit mot tout à l'heure. Donc expert en transformation, innovation RH. en très résumé, parce qu'en fait chacun vous aviez quand même des profils LinkedIn qui font 4 pages, donc j'essaie de réduire. Anne Brochard, vous êtes fondatrice et dirigeante du cabinet L'Étincelle RH. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Et puis Michel Mérien, vous êtes DRH de l'entreprise Charier, qui est une entreprise nantaise, nigérienne, nantaise, de travaux publics. Et de beaucoup plus, en tout cas, pour réduire de travaux publics. Oui, voilà. Installé dans le Grand Ouest. Voilà, installé dans le Grand Ouest. Pour commencer, et c'est un peu le cœur de ce qui nous questionne ce soir, enfin en tout cas globalement sur l'entreprise, on parle beaucoup en ce moment, depuis 2 ans, d'un coup de télétravail. Alors il faut rappeler juste que le télétravail, je crois que pendant la première phase, enfin la fameuse... comment on appelait ça ? Le confinement, c'était que 30% des salariés. Mais on en parle beaucoup, on voit ce télétravail qui se développe, on voit aussi des nouveaux rapports au travail, on voit une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail avec beaucoup d'envie, qui réclame beaucoup de sens, qui met d'autres choses derrière, qui attend d'autres choses de l'entreprise. On voit des difficultés de recrutement. On voit des secteurs en tension, on voit un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le Big Quit, donc c'est un mouvement massif de démissions. Bref, tout ça nous questionne et je me tourne vers vous, Valérie, en me posant cette question. Voilà. Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère du travail ? Je dirais non et oui. Non, parce que, si je reprends le titre de l'émission, qui est cette question, quelle est la place de l'humain dans le monde du travail ? Il y a une place pour l'humain, il y aura toujours une place pour l'humain, parce que le travail, il est fait par l'humain, avant tout. Même les logiciels, le monde numérique, il est inventé par des humains. Donc, il va y avoir certainement un remodèlement de tout ça, mais de la place pour l'humain, il y en aura toujours. Et oui, parce que justement, on est au carrefour de plusieurs mouvements qui arrivent là maintenant, vraiment autour de ce début des années 2020, et qui vont amener un changement majeur. Et je vais en citer que 6, mais très rapidement, parce qu'il y en aura beaucoup. Mais il y a évidemment, vous l'avez cité en entrée, il y a ce phénomène de pandémie qui a questionné donc l'organisation du travail, même si c'est que 30%. Au travail, ça a réorganisé toute la vie de famille. Et donc, le travailleur n'est pas qu'un travailleur, il est aussi un père, un enfant, un fils de, une fille de, etc. Donc ça a questionné tout ça. Il y a l'arrivée maintenant, dans les années en cours, des milléniums. Donc ces jeunes qui sont nés depuis les années 2000, ils arrivent dans le monde du travail. Et donc, ils vont côtoyer des gens qui sont nés au siècle dernier, dans les années 80, dans les années 60, donc des gens qui sont nés, on va dire, sur des planètes différentes. C'était toujours la Terre, mais c'était des planètes différentes. Ils ont une vision du monde différente. Un troisième carrefour, c'est le changement de la perception du temps. Et vous l'avez déjà évoqué un peu, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait se projeter vraiment à long terme. Maintenant, les jeunes particulièrement, c'est vrai, par prudence sans doute, ou par réalisme, ou je ne sais pas, mais en tout cas se projettent et disent: je me projette pendant un temps et après je ferai le point et puis je me reprojetterai. Donc on n'est pas dans le court-termisme vraiment, mais en tout cas on n'est plus dans le long terme parce qu'il faut. Non, il y a un questionnement. Quatrièmement, il y a la question du sens. Les jeunes choisissent quelque chose où ils trouvent du sens, dans le sens une direction à suivre et dans le sens une réponse à leur question « why » et « what for », pourquoi est-ce que je travaille. Cinquièmement, ça arrive maintenant, et je trouve qu'on en parle très peu dans les médias, mais c'est que la guerre des talents, elle est toujours là. J'aime pas ce mot « guerre des talents », mais il y a une dichotomie et un gap de plus en plus grand entre les gens très formés, multidiplômés, multi-experts, etc., et des personnes sous-qualifiées, qui pourtant ont des choses à apporter aussi dans l'entreprise. Et enfin, ça c'est ce qu'on observe plus, je dirais, sur le plan humain et moins général, c'est un besoin de l'individu de se réunifier. J'entends par là, on a un ministère de l'économie, donc on vous voit comme un être économique, un acteur économique. On a le ministère de la santé, donc on vous voit comme quelqu'un à soigner. On a le ministère de l'éducation, on vous voit comme un élève, etc., et un étudiant. Et puis il y a un moment... L'être humain, il se dit, mais moi je suis et étudiant diplômé, et chef de famille, et acteur économique, et citoyen d'un monde qui est menacé, et pour lequel maintenant je vais dire, il y a un haut là. Et donc tous ces changements internes, comportementaux et externes, pandémie et autres, font qu'effectivement, oui, on entre dans une nouvelle ère. Des choses que vous, peut-être, alors on va tourner comme ça, moi qu'il y ait des réactions de ce côté-là, mais des choses que vous constatez, peut-être vous pourrez prendre le micro, dans vos pratiques, vous aussi, ces six grandes tendances ou cette nouvelle ère du travail, où il y a des choses qui vous marquent. On en parlait tout à l'heure en aparté. Nouvelle, ça dépend pour qui. En fait, le télétravail a été très long à se développer en France. On a en gros 25 ans de retard sur les pays scandinaves et d'autres pays là-dessus. La pandémie de ce côté-là a été un accélérateur formidable de prise de conscience. Et finalement, j'ai envie de dire, je te rejoins tout à fait sur l'idée d'une génération aussi en quête de sens. Et je pense pas d'ailleurs que ce soit le propre seulement de cette génération. Je pense que c'était déjà là. Moi, je suis un vieil adolescent de 55 ans. Et cette quête de sens, je l'ai toujours eue aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé plusieurs fois de métier et de secteur. À une époque où c'était assez mal considéré. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui fait 25 ans de carrière dans la même boutique qui m'inquiéterait un peu, moi, personnellement, en termes de capacité de polyvalence, d'adaptation, d'agilité, etc. Quelqu'un qui a été enfermé dans une expertise et qui a fait toujours le même taf pendant 25 ans, ça serait un peu inquiétant. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent en compte cette recherche de sens. Et puis derrière, au-delà du sens qu'on a un petit peu tous et qu'on sent de plus en plus en conscience aiguë de citoyen, parce que tu l'as pas très bien dit, nous ne sommes pas des travailleurs d'un côté, des citoyens de l'autre, des membres d'une famille ou d'une tribu à côté. Hein, voilà, on vit, pour ceux d'entre nous qui avons la chance de vivre des métiers passion, c'est pas toujours évident, c'est pas étanche en tout cas, entre la sphère privée et la sphère boulot. Donc ça, je pense que beaucoup de jeunes en ont conscience aussi. Et au-delà de la quête de sens, il y a aussi une recherche de bon sens. Et je pense que ce qui bouscule beaucoup les organisations en ce moment, et c'est pour ça qu'on parle d'innovation RH, d'innovation organisationnelle, de design organisationnel parfois, c'est justement cette question de ramener du bon sens dans l'organisation, parce que oui, des salariés qui ont plus de créativité, plus d'autonomie, auxquels on laisse de la place pour inventer des choses, des produits et des services, auxquels on laisse la parole, la posture des petits chefs dans les organisations, tout ça fait et motive l'engagement des collaborateurs, permet ou pas de fidéliser des talents. Et en ce moment, ce que tu décrivais pour les États-Unis est typiquement en train d'arriver en France. Alors, ça n'a pas été encore marketé avec les mêmes termes, mais et un truc très nouveau, c'est que c'est même vrai dans le public. En ce moment, c'est un bordel organisationnel au-delà même de la pandémie à cause des démissions. Et en ce moment, c'est pas les bras cassés qui sont bons en plus, hein. C'est les bons. Et là, c'est 20%, 25% d'absentéisme dans certaines collectivités, secteurs de santé et au-delà de ça, dans les grandes entreprises aussi. Donc cette pénurie de recrutement, elle est bien là. Il y a de la recherche de sens, il y a aussi des facteurs conjoncturels liés à certains secteurs plus tendus que d'autres, mais en tout cas, on est en train de redécouvrir du bon sens que un salarié auquel on donne de l'autonomie, et le fait de recruter aussi des profils peut-être un peu différents et d'arrêter les effets de consanguinité, notamment à la tête des grandes entreprises françaises, en s'inspirant notamment des Américains et des Scandinaves, ça donne de la performance. Parce que les 20 entreprises qui se développent le plus rapidement au monde, en ce moment, elles recrutent des sociologues, des designers, des philosophes, des anthropologues, etc. Même Google. Voilà. Donc, ce qui est tout nouveau pour nous est déjà en place et a fondé la performance ces 15 dernières années de la plupart des boîtes qui sont dans le top 20 américain aujourd'hui et qui n'existaient même pas il y a 25 ans. J'ai envie de vous questionner, Michel Mérien, parce que justement sur le temps long dans l'entreprise, je crois que vous êtes chez Charier depuis un certain temps. Et voilà, cette caisse de sens, est-ce que c'est nouveau Oui, alors en tant que RH, c'est vrai que ça fait 35-36 ans, je crois, que je fais ce métier. Et dans des grands groupes, je ne vais pas cracher sur les grands groupes, mais à un moment donné, vous savez, à 40 ans, vous êtes au carrefour, à un carrefour, et puis vous dites qu'est-ce que... Et effectivement, je vais chercher le bon sens. Hein, Et c'est quelque chose qui m'a toujours... interpellé en travaillant sur les ressources humaines, effectivement, il faut travailler sur ce sens au travail, quoi. Ce sens au travail. Et ce qui est vrai dans la société est vrai dans le monde du travail. Effectivement, un salarié qui arrive, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un père de famille, comme vous avez dit, ou une mère de famille. Et ce que j'ai dit à Grégoire, d'ailleurs, quand on s'est vu au téléphone, c'est en fait, on va accompagner un salarié. On va accompagner, alors quelle que soit la durée de son temps de travail, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 25 ans. J'ai la chance de travailler dans une entreprise familiale. Aujourd'hui, je peux le dire après avoir connu un panel d'entreprises. parce que en fait, on retrouve le sens de pourquoi on travaille, en fait. Parce que l'actionnaire, quand il n'est pas au CAC 40 et qu'il est au bout du couloir et que vous lui serrez la main en lui disant bonjour et comment ça va, et quel que soit le statut du salarié, bah, du coup, ça prend un autre sens. Bon. Alors, ceci étant dit, quand je dis effectivement il faut s'intéresser au parcours du salarié, quand il rentre, en fait, quel est le sens qu'on va lui donner, en fait? C'est-à-dire que vous avez un salarié, vous allez l'accueillir, vous allez l'accompagner. Et ça, c'est vrai tout au long du parcours. Encore une fois, soit 3 jours, 10 jours, 1 mois, 10 ans. Vous allez l'accompagner. Et avec les incidents de parcours qu'il peut y avoir, alors qu'ils soient issus du travail, santé, sécurité, effectivement, dans nos métiers qui sont le métier des travaux publics, santé, sécurité, on l'accompagne. On a un médecin du travail à temps complet qui est là pour la santé au travail. Et je vous assure qu'elle ne passe pas 1/3 de son temps, comme dit la réglementation, à la prévention. Elle passe la moitié de son temps à la prévention, encore plus aujourd'hui. Et puis, les incidents de parcours aussi pendant l'exécution du travail, avec des problèmes sociaux qui peuvent arriver, qui sont personnels. Donc, on a adhéré à un service social interentreprise, qui est, un service d'assistante sociale, qui viennent accompagner les salariés. Et puis, vous avez aussi des salariés qui souhaitent avoir un autre parcours dans la société ou en dehors de la société. Moi, ça ne m'a jamais choqué quelqu'un qui travaille dans une usine à chaussures, le lendemain souhaite, ou dans 10 ans, souhaite faire pizzaiolo. Il y a des outils pour ça, en fait. Hein. Il y a la transition professionnelle. Enfin, il y a des tas d'outils à disposition. Et notre rôle en tant que ressources humaines, c'est en fait toujours accompagner ce salarié dans ce sens, quel que soit son statut, pour l'accompagner le temps du parcours. Et si c'est à la retraite, tant mieux. Mais on va aussi l'accompagner à la retraite, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire de la préparation à la retraite, parce que c'est un changement de... Effectivement, le temps que vous passez au travail, vous le remarquerez, il est beaucoup plus long que le temps que vous allez passer après. Et donc, il y a ce phénomène, en fait, pour moi, d'accompagnement qui est très important, et puis de temps, en fait. On a discuté, Grégoire aussi. En fait, la vie est courte malgré tout, et il faut pouvoir en profiter et s'épanouir dans le monde du travail. Moi, je suis fondamentalement persuadé de ça. J'ai réussi à donner du sens à mon travail aujourd'hui. Je vais passer la main bientôt à Constant Charier, qui fait partie de la famille Charier. Et vraiment, j'étais très heureux de pouvoir participer à une aventure dans une entreprise familiale avec des entrepreneurs et de donner ce sens-là aux salariés de l'entreprise. Justement, sur l'accompagnement, je me tourne vers vous, Anne Brochard. L'Étincelle RH, c'est un cabinet d'RH, et l'accompagnement, il commence au début par un recrutement. Est-ce que cette évolution, vous la constatez aussi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vos métiers? Est-ce que vous voyez arriver de nouveaux profils? Est-ce que vous faites matcher? C'est la mode de dire matcher, c'est un peu jeune aussi. Mais est-ce que vous faites matcher des nouveaux profils avec des postes et avant, ils n'étaient pas du tout adaptés à ça ou pas recherchés? Oui, je vais faire un lien aussi avec ce que vous venez de dire et puis ce qu'on partageait pour rebondir sur votre question, parce que je trouve que la notion du sens, on en parle beaucoup. Je me permets, je trouve que le terme devient presque un peu galvaudé en fait maintenant, parce qu'on y met tout et on n'y met plus grand-chose. Et il y a quelque chose d'inspirationnel et hyper philosophique. Enfin, sincèrement, je pense que beaucoup d'entreprises ne savent pas trop comment y répondre et à quel degré il faut mettre le curseur. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est plutôt comment le collaborateur et l'entreprise peuvent être dans une relation fertile. C'est pas juste du transactionnel, on fait un bon deal pendant X années, etc. Mais c'est vraiment fertile au sens où, justement, l'être humain, en ce qu'il est un être de progrès, c'est anthropologique, c'est psychologique, c'est biologique, c'est tout ce qu'on veut. On est des êtres de progrès, on fait partie des êtres sur cette terre qui progressons le plus tout au long de notre vie, en fait, hein, notre existence sur Terre. Donc, il faut être sur ce rebond-là. Que ce soit fertile. Ça veut dire effectivement que ça va me nourrir au sens matériel du terme, mais ça va me nourrir aussi intellectuellement, humainement, sur le plan de la relation à l'autre. Je vais me nourrir des relations que j'ai dans l'entreprise. Alors c'est là où le télétravail vient interroger aussi. Hein, dans le à distance, on peut perdre cette fertilité-là. Ça vient interroger tous les dispositifs de formation, ça vient interroger les hybridations. Je rentre par une porte, mais finalement, je peux grandir à travers tout un parcours qu'on vient faire sur moi. Et là, il y a tout le déploiement aujourd'hui de l'organisation apprenante. Alors, dans le domaine de la recherche psychosociale, l'organisation apprenante, ça a plus de 20 ans. C'est en train d'arriver maintenant dans les entreprises. C'est quand même, il y a toujours un décalage. Mais voilà, cette notion de fertilité, elle est importante. Et donc, je rebondis sur votre question, Grégoire, parce que je ne l'ai pas perdue. C'est que là, quand on parle de fertilité, quelque part, bah, ça s'enracine. Enfin, si je resterais végétalisante dans mon propos, le recrutement, il va vraiment constituer les racines justement de cette relation qui doit être fertile entre un individu et l'entreprise. Et donc, il s'agit de tisser quelque chose qui va déjà commencer à raconter une histoire, à nous projeter, à raconter cette capacité à grandir ensemble, à progresser. Et donc, effectivement, dans les recrutements aujourd'hui, c'est pas tant la compétence technique qu'il faut continuer à regarder. Heureusement, on est vraiment en train de faire cette transition. Et ce qu'on se disait quelques années, oh là là, en 2030, il y a 80% des métiers qui auront changé. Bah, franchement, sincèrement, c'est ce que je vis depuis des années, c'est vrai. Et donc, du coup, il faut aller chercher autre chose chez les personnes, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont en termes de potentialité, de promesses, de se mettre dans un prédictif de cette relation fertile et qu'ils grandissent ensemble. Donc tous les process de recrutement, la façon dont est le design, l'authenticité qu'on va y mettre va permettre effectivement d'avoir les bonnes racines pour que la fertilité soit encore meilleure. Oui, une réaction peut-être. Oui, je voulais réagir tout à fait. Et je trouve que la période pandémique actuelle, avec tous ses côtés extrêmement négatifs, a un côté positif, qui est la révélation de nouveaux talents chez certains collaborateurs et potentiellement chez tous les collaborateurs. Parce que effectivement, les périodes à venir, cette nouvelle ère, on va dire, elle va nécessiter de la plasticité chez tout le monde. De la plasticité chez le collaborateur, capacité à s'adapter au changement, accepter que son métier évolue, que la manière de le faire évolue, que même ce qu'il fait va évoluer, tout en étant dans la même structure, en fait. Et plasticité aussi, vraiment neuronale ou plasticité de réflexion des employeurs eux-mêmes, de pouvoir considérer leurs salariés comme des personnes qui ont des talents et des talents pas finis, qui ne sont pas finis, qui sont toujours en talent potentiel, d'où ces entreprises apprenantes. Et pour citer le groupe Mousset, aussi dans sa direction des ressources humaines, utilise le terme direction des richesses humaines. Et conscient, et j'imagine que vous l'avez vécu aussi, ou vous le vivez tous les jours, c'est que l'être humain est riche de potentiel qu'il est important de faire émerger. Et que c'est évidemment pas uniquement pendant les études qu'on révèle les talents, mais c'est surtout pendant toute la vie, en fait. Ouais. Et dans beaucoup d'entreprises que j'accompagne, cette ouverture que peuvent avoir des dirigeants et leurs équipes, notamment des ressources humaines, sur les potentiels des personnes, crée des nouvelles collaborations intergénérationnelles vraiment intéressantes et qui facilitent justement la longévité et la pérennité des entreprises, parce qu'en développant des savoir-faire et surtout des savoir-être chez les personnes plus âgées et chez les personnes entrantes, eh bien, ça crée un fondu enchaîné. Et c'est vrai que pour cela, je pense, les entreprises familiales ont une longueur d'avance. Ou en tout cas, elles peuvent utiliser ça comme atout. François, peut-être, et après, je crois que nous avons des réactions à part du public. François après, puisque le public prend la main. Merci, voilà, merci Anne pour le micro. Oui, on scrute les réseaux sociaux pour vous, rien que pour vous, et on a déjà pas mal de réactions. Il y a énormément de réactions et de personnalités en plus, qui plus est connues. On a notamment Thomas Pesquet qui réagissait à la vie sur les autres planètes et qui nous dit qu'il a fait tout le tour et qu'il faut arrêter de dire qu'il y a du monde. Hein. Lui, il se tape la moitié de la galaxie là depuis des années, donc il n'y a personne. C'est faux. Hein, donc arrêtez de citer éventuellement ceux qui habitent sur les autres planètes. #ThereisNoMartien. Merci Thomas, merci de réagir. On sait qu'il est très actif sur les réseaux. Des tweets, hein, on a beaucoup cité les millennials, les jeunes qui réagissent. Alors assez peu sur LinkedIn. Certains réagissent via Twitter, hein, et qui disent il se passe un truc sur LinkedIn. J'ai un profil, mais c'est essentiellement pour chercher un stage, sinon j'y vais jamais. Et un autre qui dit quand même attention, un tweet de Jean-Charles, voilà, qui nous dit moi j'aimerais bien avoir le même job pendant 25 ans, mais sans doute que je suis un vieux de 22 ans, #ado de 55 ans. Alors, ça réagit énormément aussi la possibilité de recruter des philosophes, des sociologues, des gens qui ont un parcours différent. Et donc, il y a Michel, qui est boulanger dans les Mauges, qui nous dit qu'il a, lui, recruté un sociologue en novembre dernier. Il est très gentil, mais à part foutre en l'air des kilos de farine et de la margarine, il fait rien de bon. Hashtag pas de pitié pour les croissants. Oui, une réaction également, un tweet de l'agence de développement économique de La Roche-sur-Yon qui nous dit venez chez nous, on cherche du monde, et chez nous, 9 boîtes sur 10 ont leur actionnaire au bout du couloir. Voilà, hashtag quête de proximité. On aime la Vendée évidemment. Avec les doigts, 85. Et enfin, pour terminer sur la relation fertile entre employeurs et collaborateurs, c'est sans surprise Jardiland qui conseille malgré tout un arrosage modéré du personnel de l'entreprise sous peine de voir se développer des champignons dont certains sont très difficiles à traiter même avec des dermatologues pointus. Hashtag cultivez votre bien-être mais avec responsabilité. Merci pour ces réactions du public. Du coup, François, tu voulais réagir. Débrouille-toi avec ça et reprends le fil de la discussion. Était sur la fertilisation. Je vais prendre la perche du sociologue, voilà. Parce que comme je suis sociologue de formation, et qu'il s'en moque, gentiment, à juste titre. Oui, moi je voudrais rappeler quand même, par rapport à la discussion sur les grands groupes et les entreprises familiales, que 95% de l'économie française, c'est pas les grandes entreprises. Juste pour rappel, et inciter d'ailleurs aussi nos jeunes diplômés ou moins diplômés, s'ils ont vraiment envie d'apprendre quelque chose et d'apprendre un métier, à mon avis c'est plus dans les PME que ça se passe que dans les grandes organisations, dont aujourd'hui les statistiques nous disent qu'il y a à peu près 40% de bullshit jobs, c'est-à-dire de jobs qui servent à rien dès qu'on dépasse 500 salariés dans un certain nombre d'entreprises. C'est pas très gentil hein, comme statistique, mais c'est comme ça. En tout cas, si vous voulez apprendre et pas vous ennuyer, il vaut mieux aller peut-être vers des entreprises à taille humaine, et c'est vrai que je constate moi aussi dans mes clients que les entreprises à patrimoine familial ont plutôt plus de vision d'innovation, plus de ténacité aussi peut-être dans le temps. Et je pense notamment au groupe Eram ou aux Meubles Gautier avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler ces dernières années, qui au moment du bordel il y a 2 ans n'ont pas paniqué là où beaucoup d'actionnaires leur conseillaient de fermer tout de suite les robinets, de licencier massivement. Et aujourd'hui, s'ils l'avaient fait, ils seraient un peu encore plus gênés pour reprendre la production. Bref, ceci étant dit, moi j'aime beaucoup l'analogie que tu as faite aussi sur le végétal et les fertilisations, et je voudrais d'ailleurs signaler 2 bouquins très intéressants qui partent de cette métaphore, notamment de la permaculture d'entreprise. Un excellent bouquin sur la permaculture d'entreprise, d'une entreprise qui est partenaire, excusez-moi j'ai un trou, qui est de Lille, et vraiment très chouette. Et puis un autre bouquin qui parle là aussi de la métaphore de la permaculture et de semer les petites graines en interne, et qui s'inspire beaucoup de l'organisation apprenante que tu as citée. L'organisation apprenante, en fait, c'est ce rêve qu'on a tous d'une organisation qui partage ses bonnes pratiques, qui apprend d'elle-même, qui est en permanente, qui reste curieuse et qui reste pas assis sur ses savoir-faire élémentaires et ses business models de base. Donc c'est intéressant. Il y a aussi la notion, je pense, très moderne en ce moment, de l'organisation étendue. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec le collectif des artisans du changement, c'est-à-dire qu'on est à la marge concurrent entre nous, on a les mêmes métiers, mais on fait le pari de la coopétition. On est 50, on est trop petit, on veut rester artisanal, on veut pas devenir un grand cabinet conseil, surtout pas. Par contre, on va travailler et mutualiser ensemble, mutualiser des compétences. Donc partager des compétences, partager des talents, et puis au fur et à mesure qu'on va se connaître, notre pari c'est qu'on va avoir envie de développer des choses ensemble. Alors qu'au départ on se regardait un peu avec nos égos surdimensionnés, parce que dans le monde du conseil il y a beaucoup d'égos, comme dans d'autres milieux, et puis on a appris à travailler ensemble, et aujourd'hui on est content parce que ce collectif-là arrive à faire la nique à des grands cabinets sur des réponses, mais c'est l'agrégation des talents, et l'intelligence collective finalement c'est ça. Là aussi c'est un mot très galvaudé qu'on entend partout, mais concrètement c'est être capable de bosser ensemble, coopérer, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que nous propose le modèle éducatif français, où on continue à mettre les enfants en compétition. On est le dernier pays, hein, Portugal et la Grèce et la France, à mettre les enfants en compétition. Les exposés individuels dans les autres pays, ça n'existe plus. On fait travailler les enfants systématiquement ensemble avec des méthodes pédagogiques innovantes. Donc je pense que la coopération, le travail collaboratif dont on parle depuis 25 ans, ils sont toujours là, ils sont d'une grande modernité, et ça passe aussi par l'éducation, dès le primaire, mais aussi dans les études secondaires. Et du coup, dans l'entreprise, comment on accompagne ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour ce travail? Alors, plus d'horizontalité. Je sais pas comment on peut dire. Là, je vais peut-être heurter les professionnels et utiliser pas les bons mots. Est-ce que c'est de l'horizontalité, de la coopétition dans l'entreprise? Comment est-ce que c'est des choses qui se mettent en place? En plus, par rapport au métier des travaux publics, en fait, c'est pas une question de compétition, c'est une question surtout de qualité du travail rendu d'abord. Et puis, alors, on a la particularité d'être au service du territoire, puisqu'on fait de l'aménagement du territoire. Et quand on dit ça, en fait, on est amené à faire des actions imprévues comme ça. Et par exemple, on a fait une intégration, on a rentré au cours de 2 promotions du personnel migrant. Et on les a formés sur des contrats pro, en fait, en tant qu'acteurs du territoire. Et on les a amenés jusqu'à CAP. Et alors, il s'est passé un truc génial, c'est qu'en fait, les équipes se sont prêtées au jeu. Et Dieu sait si vous avez des difficultés, alors la langue, le logement, mais les équipes se sont prêtées au jeu, il y a eu une sorte de solidarité aussi, et on a vu des dons de vélo, par exemple, et il se passe ce genre de choses. Donc on n'est pas dans la compétition, on est plus dans cet esprit d'équipe, parce que les travaux publics sont un métier d'équipe, et un métier solidaire, en fait. Alors sur la cooptation, on a démarré des programmes comme ce qu'on appelle l'Agora, en fait, où on prend, avant de réaliser un chantier, on va prendre l'avis des ouvriers, en fait. Pour réaliser ce chantier-là, en fait, comment toi tu ferais, quoi? Quels sont les... Et donc il y a cette discussion qui a commencé à s'installer pour tenir compte aussi de l'avis. Ça, c'est des pratiques nouvelles. Ça fait combien de temps à peu près que c'est mis en place? Est-ce que c'est des évolutions récentes ou... Ce sont des évolutions il y a... Allez, 4-5 ans, quoi. Mais c'est-à-dire que, vous savez, il y a tellement de choses, parce que vous parlez de richesse humaine, il y a tellement de sujets que, alors, je pourrais vous parler pendant des heures et du handicap et de la formation et du partage aussi de nos savoirs, parce qu'on a énormément... C'est un métier où je parlais de qualité tout à l'heure, on a beaucoup de compétences, en fait. Et on a créé un centre de formation en interne, avec des formateurs à temps plein en interne, pour partager ce savoir-faire. Et comme on est acteur du territoire, on l'a même partagé pour les autres entreprises, puisqu'on est ouvert également aux autres entreprises. On a fait ça aussi pour les conseils ressources humaines. Donc on a cette démarche, en fait, de dire... en fait, on est acteur du territoire, on est acteur dans la société. Tout à l'heure, je disais, ce qui est vrai dans la société est vrai dans l'entreprise. Hein. Les problèmes, vous les avez aussi. C'est parce qu'on parle d'humain. Et donc, il faut arriver, en fait, à emmener tout ce monde, en fait, vers des choses qui sont intéressantes, qui sont motivantes, quoi. Après, quand on parlait de turnover, quand on perd des personnes, alors on a un turnover, je dirais, on a une respiration naturelle. On a entre 4 et 5% de turnover, on a une respiration naturelle. Mais je crois que c'est pas... Il faut, comment je veux dire, c'est pas le bonheur obligatoire. Il ne faut pas penser à ça. C'est pas ça. Quand on travaille en équipe, il faut donner ce sens collectif, en fait, et donner un sens à son travail, comme je disais tout à l'heure. Quand on a fait cette opération avec ces migrants, on a fait une promotion, là, par exemple, avec un public femmes, que de femmes sur nos métiers de travaux publics, c'est impensable, quoi. Bon, on l'a réalisé, et du coup, ça mobilise, en fait, des personnes, en fait, sur ces projets-là. Voyez ? Et justement, vous parliez immigration, vous parliez place des femmes. On voit ce que vous dites, j'avais retenu cette phrase aussi, ce qui se passe dans la société se passe dans l'entreprise. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même des gros mouvements de société qui questionnent globalement. Je pense à le mouvement MeToo, je pense à Black Lives Matter, je pense à l'environnement qui aujourd'hui... il y a des collectifs dans les entreprises, des collectifs de salariés qui se mobilisent pour mettre la pression, en tout cas faire changer de l'intérieur. Ouais. Comment, peut-être François, ceux qui veulent répondre, je ne sais pas, comment l'entreprise, elle accompagne ces mouvements? Alors, on a vu un exemple là. Il faut oser en parler. Il faut vraiment, oui, je parlais du handicap tout à l'heure. En fait, on a un slogan qui dit « La diversité des hommes n'est pas un handicap ». Il faut oser en parler, en fait. On a eu des problèmes de discrimination, en fait, de harcèlement plutôt. Et on a ouvert une ligne verte, en fait, pour que les gens, en fait, qui se trouvent en situation puissent, en fait, alerter les personnes. Mais il faut vraiment, faut oser parler des problèmes, quoi. Faut pas. C'est vrai, les problèmes de la société sont les problèmes. Vous les retrouvez en entreprise, hein, avec tous les bonheurs et tous les travers qu'il peut y avoir. Mais il faut oser parler, il faut oser communiquer et avancer. Mais c'est des choses qui peuvent faire peur, j'imagine, quand on est dans une entreprise, quand on est DRH ou en fonction, où on se dit bah non, ça ne va pas nous concerner, ou alors c'est peut-être compliqué, comme on parle des minorités, comment à un moment le MeToo rentre dans l'entreprise, j'imagine ça doit cristalliser en disant bah, on a plutôt tendance à se dire bah non, pas chez nous, ça n'existe pas, je sais pas. Comment on le fait? On anticipe, on le prépare, on dialogue? Ce que nous disent nos clients RH en ce moment, c'est pas tellement la problématique du MeToo, c'est plutôt plus globalement la problématique du harcèlement, c'est-à-dire des comportements. Tu parlais à juste titre tout à l'heure, et je pense que c'est un point clé de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on ne pourra plus faire demain. On va former et on va avoir besoin de former de plus en plus à l'intelligence relationnelle, aux compétences relationnelles, parce que c'est la base. Parce que pour rappel, un projet réussi, c'est pas un tableau Excel. C'est des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque chose ensemble ou pas. Et les trois quarts des échecs des grands projets industriels qui foirent ou qui coûtent 20 milliards de plus que prévu, c'est des problèmes de communication, des problèmes de relations et, ou de manque de leadership pour embarquer les équipes. Donc en tout cas, bien sûr que ça préoccupe les entreprises, mais pas plus le harcèlement sexuel que le harcèlement moral, du moins c'est ce que je pense. Ouais. Et moi, ce que je constate, en tout cas, sur la problématique des femmes, c'est que les entreprises qui se poseraient pas ces questions-là ont des soucis à se faire, parce que la Harvard Business Review a sorti quand même une dizaine d'études depuis ces dernières années, montrant que les entreprises gérées par des femmes sont mieux gérées, sont plus performantes que celles gérées par des hommes. Et qu'en tout cas, les effets de consanguinité d'équipes, comme dans des entreprises que je ne citerai pas, par charité d'âme, où je vois des codires avec 12 mecs, tous ingénieurs, je mettrai pas un gros billet sur eux dans les 10 ans qui viennent. Tu voulais réagir, donc je t'ai vu prendre un micro. Oui, non, mais c'était pour abonder en fait sur cette notion de diversité. Elle est autant à travers les parcours académiques ou non d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas un parcours académique, que effectivement la diversité des personnalités, des audiences, des croyances, des convictions. Et je pense qu'on a capacité à cohabiter, mais effectivement, comme tu le disais, c'est comment aussi on en parle. On peut pas mettre ça sous le tapis, en fait. À un moment donné, il faut bien se dire les choses, parce que c'est comme ça que la tolérance se fait aussi. Il faut être permissif. Hein. Alors le jour, je regardais Envoyé spécial, comme beaucoup de Français le jeudi soir. Non, mais il y avait une image qui m'a marqué. Il y avait un mec qui travaillait, je crois que c'était dans une entreprise qui refaisait chez Murphy, qui reprennent les lave-vaisselle et tout ça, et qui parlait en disant, ben moi ça a changé. C'était la semaine dernière. Il disait, en fait, le monde du travail a un peu évolué, et aujourd'hui je regarde beaucoup plus que l'entreprise. Avant, je regardais le salaire et le temps de travail, et moi je regarde beaucoup plus ce qu'elle peut m'apporter globalement. Et voilà, je trouve que ce truc-là, est-ce que c'est une réalité à tous les échelons de l'entreprise? Un mec qui est en train de changer un lave-vaisselle chez quelqu'un, qui sait, ben voilà, je regarde plus aujourd'hui, moins la fiche de poste de ce que je vais faire, que plutôt dans quel environnement je vais travailler, quelles conditions. C'est au recrutement, c'est des choses aujourd'hui. Est-ce que les nouveaux acteurs, quand vous rencontrez des candidats, ils vous posent des nouvelles questions sur l'entreprise dans ce sens-là? Ils sont plus vigilants, ou alors c'est une fois qu'ils sont dans l'entreprise que ça s'impose à eux? Oui, non, il y a quand même une tendance effectivement au questionnement, à la transparence, et justement, enfin voilà, on est dans un travail nécessaire d'authenticité. Effectivement, les gens cherchent, ce terrain fertile pour eux, des conditions d'organisation, d'équilibre pro, perso, qui vont correspondre à leur mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un modèle d'ailleurs qui ressort où il y aurait X jours de télétravail, machin. Enfin là, c'est vraiment du cas par cas, c'est du trait sur mesure. Donc effectivement, les gens re-questionnent ça. Aux employeurs aussi d'être transparents. On est aussi dans une ère de tout ça, avec des plateformes qui mettent en avant aussi les avis des collaborateurs, hein. C'est comme les avis des consommateurs. Donc on est obligé de travailler ça en interne pour offrir une expérience qui soit cohérente, voilà, une expérience vraiment collaborateur cohérente. Et effectivement, pouvoir en parler librement de plus en plus. Là, il y a un tabou en France, et je vous avoue que même moi, pour l'instant, j'ai du mal à le faire tomber, mais le tabou du salaire affiché dans les annonces, va falloir qu'il tombe, parce que effectivement, ça fait partie des attentes du type. Donc, on est sur le chemin effectivement d'une nouvelle ère déjà depuis quelques années, mais qui s'est encore plus renforcée et qui touche quand même toutes les strates des entreprises. Qu'on peut parler des gens qui sont surdiplômés, qui sont dans le tertiaire, etc. Oui, il y a ça. Mais ça touche aussi beaucoup de strates, parce qu'on a énormément de métiers pénuriques. Notre région ne fait pas exception, puis je pense que chez Charier, vous savez en parler. Et effectivement, même sur des postes en atelier, sur le terrain, en chantier, etc. Voilà, il y a aussi ces questions-là qui se posent. Donc il faut s'affranchir des tabous, il faut pouvoir en parler. Il faut être vraiment dans une symétrie d'attention entre ce que cherche le candidat et l'entreprise, et c'est d'égal à égal. Qualité numéro 1 pour moi, enfin, puisque effectivement il y a la compétence, mais là, la compétence ne se discute pas, elle est soit diplômante, soit l'expérience professionnelle vécue. Mais en fait, c'est vraiment l'enthousiasme, quoi. Parce que en fait, vous allez recruter quelqu'un, vous allez prendre quelqu'un et vous allez dire, ben voilà, pendant un temps qui n'est pas déterminé, tu vas passer ton temps à réaliser cette tâche-là, en fait, avec un environnement de personnes, avec une culture d'entreprise, enfin, avec tout ce que ça peut comporter. Et notre responsabilité, c'est effectivement de porter ça. Et c'est vraiment l'enthousiasme, quoi, de dire, ok, moi, je vais dans ce pari-là. Ça, c'est intéressant, donc je prends. Mais il faut raisonner comme ça, quoi, et quel que soit le statut, hein, quel que soit le métier. Et c'est vrai qu'on a des métiers qui sont en tension, hein, mais c'est presque l'authenticité, quoi, en fait, hein. Oui, j'allais rebondir sur ça, pour revenir aussi à l'humain dans l'entreprise. C'est que, justement, il faut savoir se livrer aussi avec ses failles. Enfin, je pense que personne n'a vocation à être parfait et tout maîtriser. Et l'employeur peut faire ce chemin-là. Enfin, il est facile en plus à faire. Ben voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'on essaye de faire, voilà ce qu'on va essayer d'être ensemble, voilà ce que vous allez avoir à faire, et vous aussi vous allez faire de votre mieux. Et c'est dans cette fragilité qui fait qu'on est tous humains que ça fonctionne. Oui, j'ai vraiment envie de rebondir sur tout ce que vous dites, et que je découvre, j'observe vraiment sur le terrain dans ce qu'on appelle la next gen, donc les futurs dirigeants d'entreprises familiales. Et à la chaire d'entrepreneuriat familial et société à Audencia, on les accompagne, on les prépare, on les a questionnés, et cette nouvelle génération, c'est ce qu'elle veut apporter de différent par rapport aux générations d'avant. C'est-à-dire plus de transparence, pas de tabou, et plus de communication authentique. Et donc, ce n'est pas presque de l'authenticité, c'est de l'authenticité qu'ils demandent. Et ils n'ont pas peur de le dire quand on leur permet de le dire. Et j'aimais bien aussi ce que vous évoquiez, cette permissivité, parce que dans l'époque qu'on vit actuellement, j'y reviens, cette pandémie, on est dans une époque où on est dans des restrictions, dans des interdictions, dans on ne peut pas, dans il est dangereux que, on est dans le contrôle, dans l'observation, etc. Or, c'est tout le mouvement inverse que les entreprises et les entrepreneurs en général proposent. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est non pas dans la restriction, mais dans l'impossible, qui voit les possibles. Et l'Observatoire national des entreprises familiales, auquel la chaire a coordonné, révèle que 90% des dirigeants d'entreprises familiales sont confiants par rapport à l'avenir. Donc c'est aussi ce qui a été dit, cette capacité de voir au-delà et de se dire, ben oui, voilà un problème sociétal, ben on va s'adapter, on va inventer, on va se réinventer. Et donc cette permissivité, elle est vraiment importante. Et quand elle est alliée avec la protection, donc c'est-à-dire quand l'entreprise est un cadre, certes un cadre qui doit être clair, le plus clair possible, bien exprimé, voilà à quoi tu contribues, voilà notre objectif, etc. Et dans ce cadre-là, on te permet une liberté d'action, une liberté d'expression, hein, conditionnée aux résultats, évidemment, on est dans le monde aussi de l'entreprise. Mais quand il y a cette conjonction de la permission et de la protection, alors là, on permet au 3e P de la puissance individuelle vraiment de se révéler. Et ce n'est pas qu'une mathématique des 3 P, c'est ce qu'on appelle le triangle vertueux, mais c'est quelque chose qui s'observe sur le terrain et auquel on a mis des mots. Et permettre finalement, et je pense que vous, quand vous êtes employeur, vous avez cet enthousiasme, et sûrement que vous les accompagnez aussi, ou vous les détectez quand ils sont matchés avec des recruteurs. Mais l'employeur enthousiaste et qui permet cet enthousiasme à ses collaborateurs, c'est celui qui ne perdura pas demain, et c'est celui qui continuera à fidéliser ses collaborateurs. Et c'est contagieux, et c'est bien. Et c'est contagieux. Et puis je rajouterai d'ailleurs, c'est juste un clin d'œil par rapport à la belle boîte, soyez le mouvement. En fait, c'est vraiment, on parlait d'agilité tout à l'heure, hein, tant côté employeur, ressources humaines et salariés, c'est vraiment soyez dans le mouvement, c'est vrai, sinon la poussière vous tombe sur la tête, quoi. Il faut tout le temps, innover, créer et avancer, quoi. Des nouveaux témoignages qui viennent des réseaux. Désolé François, une fois de plus, avant, alors je sais pas, ils doivent te regarder et intervenir avant que tu puisses, donc on reviendra sur toi après. que nous disent les réseaux. Alors, y compris au tout dernier propos qui vient d'être dit, n'hésitez pas sur les règles de santé, prévention, sécurité au travail à vous couvrir d'un chapeau ou d'une casquette sur la tête en cas de chute de poussière. Vous évitez de revenir chez vous avec des pellicules qui n'en sont pas. Alors beaucoup de réactions, notamment dans le monde scolaire avec la compétition enfantine. Et c'est Naël du haut de ses 6 ans et demi qui nous écrit. Alors moi, je n'arrête pas de dire à ma maîtresse que c'est pas juste de nous mettre en compétition et qu'il serait sans doute plus judicieux de mettre de l'intelligence collective au cœur de l'intérêt commun de la classe, et à chaque fois je finis au coin. Hashtag c'est trop injuste. Et intelligence petit. On a également des réactions sur oser en parler, ces démarches qui se libèrent. Voilà un tweet d'un RH qui nous dit qu'il était un petit peu inquiet. En effet, il a tout tenté, il a essayé de mettre en place une campagne, oser parler. Voilà, il exprime quand même que son problème, c'est que son codir est effectivement composé de grandes gueules et ce sont toujours les mêmes qui parlent. Hashtag osons écouter aussi. Et l'intelligence relationnelle qui est au cœur de nombreuses réactions, Damien. Et c'est Stéphane qui nous dit « C'est bien mignon l'intelligence relationnelle, mais comment tu fais quand tu es entouré de gros cons ?» Hashtag « On est toujours le con de quelqu'un d'autre ». La question est bien posée. Enfin, un tweet d'une célébrité, un tweet de Vianney. Qui nous dit « Doucement avec l'expression « se livrer avec ses failles ». Parce qu'il s'agit de mon nouveau single qui va passer en radio sur France Inter dès bientôt. Avec ses failles. Voilà. Et enfin, un dernier commentaire sur les salaires et sur les tabous qu'il y a. Et c'est Déborah qui nous dit alors moi, perso, j'ai aucun tabou sur mon salaire. Il est de 1157 € net. Et après avoir payé la totalité de mes charges, il me reste 18 € à la fin du mois pour gérer avec mes 2 enfants. Hashtag zéro tabou. Merci Déborah. D'autres réactions peut-être tout à l'heure. D'autres réactions à suivre. Merci beaucoup. François, à toi de reprendre le fil une fois de plus. Exercice difficile, mais vas-y. J'aurais voulu rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites, que je partage tout à fait, sur la nécessité de verbaliser et qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la confiance dans un employeur ou dans une entreprise. Ce mot confiance, d'ailleurs, il est vraiment super important parce que on est dans un pays qui est géré par le risque, qui est managé par le risque depuis 30 ans. On n'en peut plus, ça fait crever les organisations, il y a des process dans tous les sens, donc il est temps de remettre de la confiance dans le système, et ce qu'attendent beaucoup les générations qui arrivent, mais finalement aussi les générations précédentes dont on faisait partie, c'est justement que cette confiance se manifeste... Encore une génération qui arrive, ne me regarde pas. Que cette confiance se manifeste concrètement dans des actes. Et les actes à poser, c'est la reconnaissance, c'est arrêter de dire quand ça va mal systématiquement et dire aussi quand ça va bien, c'est créer des rituels peut-être aussi de plaisir partagé. Justement, nous, par exemple, c'est tout con, ça peut sembler anecdotique, mais quand on a une bonne nouvelle, on est une petite agence artisanale, on est 6, donc évidemment c'est plus facile, mais on peut le faire dans les service, on a une cloche, et dès qu'il y a une bonne nouvelle, on entend la cloche, et pof, tout de suite, les regards se lèvent et se disent, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est tout. Ça peut sembler tout bête, mais ça contribue, ça participe en tout cas d'un état d'esprit et d'une ambiance de travail. Parce que ces enjeux-là sont pas nouveaux. On a les Chief Happiness Officers qui sont un peu la caricature ou les appendices d'une société numérique, et c'est un des co-créateurs de la cantine numérique qui vous le dit, et qui regrette aujourd'hui, et qui est en pleine digital détox, donc surtout, gagner du temps, aller tout de suite vers la digital détox. La question n'est pas le bonheur au travail. Elle est celle du bien-être, de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Et ça, ce sont des vrais sujets, des vieux sujets. Et c'est assez légitime, par contre, que ces sujets-là soient encore plus prégnants aujourd'hui qu'ils ne l'ont été hier, parce qu'il y a évidemment une attente de plaisir. On a envie de plus de plaisir et de réconcilier un peu sa vie perso et sa vie pro. Et moi, personnellement, ça fait 35 ans que je bosse maintenant. L'image du cadre français qui bosse comme un chien jusqu'à pas d'heure et qui ramène du boulot en plus chez lui à la maison et qui fait son petit burn-out ou sa petite crise cardiaque à 45 ans ou 50 ans, j'en ai un peu ras-le-bol de cette représentation-là. Je sais qu'un autre monde est possible. Et quand vous allez à Stockholm, à Londres ou à Berlin, à 17h30, les top managers, ils sont dans les pubs à échanger avec leurs équipes. Ils sont plus au boulot. Donc cette représentation du travail aussi que nous avons ultra-présentéiste, et qui est complètement artificielle en plus, parce que moi j'ai vu des gens faire semblant de bosser sur leur solitaire pour montrer aux boss qu'ils étaient là jusqu'à 19h30. Ça n'a plus de sens, et ça, quelque part, tant mieux si ça se rééquilibre juste dans le sens du bien-être au travail, d'une meilleure qualité de vie au travail. Ben, ça fait aussi accessoirement, comme de par hasard, quand on bosse sur ces axes-là, moins d'absentéisme, des réunions moins longues, donc tout ça, ça se compte, hein. Il y a d'ailleurs des financiers qui évaluent ça. Donc aujourd'hui, travailler sur l'innovation RH et l'innovation organisationnelle, c'est gagnant en termes d'engagement des collaborateurs et de fidélisation des talents, c'est gagnant aussi parce que vous gagnez beaucoup de temps sur plein de choses. Donc la confiance, ça marche, et de grâce, remplacer le contrôle par la confiance. Je me permets, il faudra écrire un bouquin « Management par la bière ». Il y a un concept. Mais je me permets, alors déjà, effectivement, dans l'approche, c'est aussi comment on réfléchit l'usage. Et là, il y a des pratiques. Et bon, tu fais, alors là, je prends ma casquette école de design Nantes-Atlantique, mais tout le design organisationnel, le design stratégique peut accompagner parce qu'il y a une vraie expérience collaborateur. Mais néanmoins, je me permets, je suis aussi dirigeante, j'accompagne d'autres dirigeants, et voilà, j'en ai aussi autour de moi. On sait que c'est pas facile, moi personnellement aussi. J'ai beau savoir et promouvoir et militer, en fait, même pour moi, c'est pas facile. Il faut faire tomber ses propres barrières, ses propres pensées limitantes. Donc c'est toute une chaîne de réflexion et de travail qui va du dirigeant dans sa posture à lui, dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il perçoit, dans ses peurs, dans ses enthousiasmes, dans ses rêves, etc. Et après, comment on se fait accompagner et comment on travaille ensemble. Et, enfin voilà, il faut y investir de la ressource personnelle et en termes de moyens après pour faire ces passages-là. Un tout petit mot en rebond de ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de verbaliser. J'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, grâce à l'excellente conférence de Véronique Perron sur les émotions, que émotion, ça vient du latin émovere, littéralement se mettre en mouvement. Donc accueillir nos émotions, c'est nous mettre en mouvement. Dans le contexte qu'on vit, je trouve que c'est intéressant. Alors c'est très marrant, moi je suis un peu profane des RH, mais j'entends accompagnement et j'entends aussi expérience du collaborateur. Alors je sais pas si les deux vont ensemble, mais voilà, il y a un truc expérience où on essaye de vivre. Bon, voilà, c'est un truc qui, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on met derrière cette expérience collaborateur? Et surtout j'entends, et on parle beaucoup bien-être, mais ça veut dire aussi que dans l'entreprise on a le droit d'être triste, on a le droit d'être malheureux de temps en temps, et que laisser parler, c'est d'accueillir le collaborateur dans tout ce qu'il est. C'est-à-dire, à un moment, il a le droit d'être pas content, chiant, ou en colère, quoi. Oui, voilà. En fait, l'émotion, là encore une fois, hein, enfin, l'humain au cœur de l'entreprise, c'est ça. C'est bah ouais, je suis triste, j'en ai marre, ça me fait chier, ou alors ah, je suis super content, et puis laissez-moi vivre. Donc ouais, l'émotion, il faut la laisser passer. Ouais, le bonheur n'est pas obligatoire. Hein. Oui, non, le bonheur est. On pourrait disserter sur le bonheur, mais c'est ce que voilà. Est-ce que c'est pas se rendre compte que de temps en temps on est malheureux et... Mais du coup, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour accueillir ces émotions? Parce que c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. En fait, c'est parler, donc créer le cadre de la confiance, enfin du dialogue, pour faire émerger. Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets, peut-être des tips que vous avez mis en place ou des choses que vous avez vues pour justement laisser toute cette place aux émotions dans l'entreprise, en fait? Alors, je ne vais pas répondre par rapport aux entreprises. Je laisserai les gens vraiment qui accompagnent les entreprises et tous leurs collaborateurs répondre. Je vais parler au niveau des familles qui gèrent des entreprises ou qui possèdent des entreprises. Parce que là, on voit aussi ces mouvements. Et ce qu'on voit dans la société ou dans la famille, on le voit alors dans l'entreprise aussi. C'est l'importance de laisser s'exprimer, donc donner la parole à tout le monde. Et en fait, moi qui accompagne des familles d'entrepreneurs avec donc 2 générations autour de la table, hein, pour réfléchir ensemble à l'avenir et peut-être construire une charte familiale, etc., je me rends compte qu'en fait, mon métier, ça consiste à permettre à ce que chacun s'exprime. Et le même temps de parole puisse dire, et donc la possibilité, la permission de dire qu'il a une autre vision du monde, qu'il aimerait que des valeurs familiales nouvelles émergent, ou qu'on retravaille un peu certaines valeurs, qu'on les redéfinisse, qu'on reprécise ce qu'on attend comme comportement vraiment précis, et notamment l'arrivée des filles aussi, de par cette parole qui est donnée à tous les membres de la famille, y compris le genre féminin. Bien, pour parler d'un cas très concret. Là, je termine l'élaboration d'une charte familiale dans une famille avec 12 personnes. Et c'est un passage générationnel là où les filles deviennent majoritaires par rapport aux garçons. Et donc, on était prêts à signer la charte. Et deux d'entre elles ont dit, écoute Valérie, il y a encore quelque chose. Là, quand on lit la charte, on sent encore l'influence très masculine due au métier, etc. On voudrait quand même déjà l'impacter dans la charte. Et donc, on a relu la charte et chaque fois qu'on pouvait donner un exemple ou féminiser quelque chose ou un terme ou un exemple, eh bien, on l'a fait. Et quand on a redonné la charte en lecture, toutes les générations étaient d'accord pour dire « Tiens, ce document dégage quelque chose de nouveau qui est bien représentatif, encore plus représentatif. » Donc, permettre de s'exprimer tant par l'oral que par l'écrit, c'est ça, en fait. Et je pense que dans les entreprises aussi, les middle managers, c'est ce à quoi il faut les former et qu'on contribue à les former dans les hautes écoles, c'est leur apprendre à traduire ce que dit le terrain vers la direction ou ce que dit la direction vers le terrain. Et donc, c'est communiquer, en fait. Et cette communication, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. C'est pas quelqu'un qui travaille dans une agence de com qui vous contredira. François ? Un dispositif très simple de groupe de parole, parce que finalement, aider les gens à verbaliser, c'est déjà donner des occasions, des rituels d'expression. Et il y a un petit outil pour ça que vous pouvez trouver en ligne, qui est gratoche, hein, c'est un outil d'idéation qui vient de l'éducation populaire, qui s'appelle les valises et les ballons. En fait, vous dessinez un personnage qui tient un ballon dans une main et une valise dans l'autre. Les valises, ça sert à tout le monde à s'exprimer sur qu'est-ce qui me pèse au travail et qu'est-ce qui me pose des difficultés dans mon travail quotidien. Ça peut être de nature relationnelle, ça peut être un outil, ça peut être mon écran qui est tout caca, plein de choses. Et puis les ballons, au contraire, c'est qu'est-ce qui me tire vers le haut, qu'est-ce qui fait que le dimanche soir, j'ai pas trop le cafard pour le lundi matin, en pensant à ce qui m'attend. Donc voilà, et on invite les équipes à discuter autour d'un petit atelier d'1h30 avec ses valises et ses ballons. Chacun s'exprime avec le même droit à la parole, ça c'est très important, tu l'as souligné. Et voilà, il n'y a pas forcément de bilan qui est tiré de ça, il y a juste favoriser cette expression-là. Après, il y a des ateliers de partage de pratiques, tu peux créer des expéditions pédagogiques aussi, où d'équipe à équipe, on échange sur son expérience. En tout cas, l'important, c'est de créer des rituels qui permettent aux gens de s'exprimer. Ça peut être aussi, par exemple, créer, je sais pas, le dernier vendredi de chaque mois, la matinée de l'innovation managériale, tu fais une conférence, tu mets une conférence TEDx un peu sympa que tu as repérée et tu crées la discussion. Nous, on appelle ça les petites causeries managériales. Et c'est parce que c'est tout simple et tout con que ça marche du feu de Dieu. Mais du coup, l'ambition, enfin, pas l'ambition, le challenge aussi, c'est d'arriver à faire exprimer. Tout le monde n'a pas la capacité à un moment. Alors, je sais pas si, surtout, peut-être, Charier, quand on parle au management familial et au nouvel entrant qui, lui, est sur le terrain, comment on libère cette parole? Ça va pas être la même face, enfin, ça va pas être les mêmes outils, mais on y arrive ou pas? Oui. Juste avant pour, tout à l'heure, on parlait d'expérience. Juste une parenthèse sur les expériences qu'on a vécues et, il y en a plein, hein, encore plus quand on arrive en fin de carrière. Mais j'ai parlé tout à l'heure du handicap. Et dans les milieux du travaux public, parler de handicap, c'est pas simple. Et par contre, il fallait oser en parler. Il fallait dire la diversité des hommes n'est pas un handicap. Il fallait former l'encadrement. Et si on peut retenir une expérience, parce que c'était le sens de ta question tout à l'heure, Grégoire, on a fait l'expérience. Alors, donc oser, on va le faire, ok. Et on a travaillé avec un CAT et on a pris une personne en stage qui avait des troubles d'autisme. Pas simple, donc on l'a pris en stage. Donc ils ont l'encadrement à jouer le jeu. Et donc du statut de stagiaire, en fait, il est passé au statut intérimaire. Et aujourd'hui, il est embauché. Voilà. Parce que l'équipe, en fait, s'est mise autour de lui et s'est adaptée par rapport à son handicap. C'est pas simple tous les jours, mais voilà, c'était juste par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure de clin d'œil. Pour répondre à ta question concernant les nouveaux entrants, par exemple, on a une campagne tournée vers les jeunes d'alternance. On a une centaine de personnes, tous métiers confondus, en alternance. Et on fait la journée des alternants. Alors la journée des alternants, elle est parrainée par un actionnaire, un enfant des actionnaires. Et au cours de cette journée, en fait, ils vont pouvoir voir des tas de choses, pouvoir s'exprimer et pouvoir, en fait, commencer à mettre un pied dans leur entreprise. Après, ils auront le choix. Je continue ou je continue pas cette aventure avec Charier, mais c'est dès le démarrage, en fait, pouvoir leur permettre, comme ça, en collectif, de pouvoir s'intégrer. Oui, non, ce que je disais aussi, c'est l'enjeu d'arriver justement quand ils rentrent à différents niveaux. Il y en a qui sont très à l'aise pour s'exprimer, et puis d'autres où ça va être compliqué. Donc comment on arrive quand on dit il faut libérer la parole? Parfois, il y en a qui disent mais je me sens pas légitime moi de parler, on me demande mon avis, mais j'ai pas d'avis, ou je peux pas quoi, je sais pas faire, ou par si on met un cadre et un ouvrier au même niveau, des fois il y a une crispation. Ça, c'est la culture d'entreprise. Ouais. En fait, d'abord dans les travaux publics, la parole se libère facilement. On est dans un monde oral. Et quand une personne arrive, elle est quand même, il y a cette notion d'accueil qui est importante aussi. Et ça se fait naturellement en fait. C'est presque plus un problème de ressources humaines, sauf quand ça le devient effectivement. On parlait tout à l'heure des travers et par exemple l'histoire des surnoms que peuvent donner les gens. Et dans le respect de la personne, effectivement, on était amené à... C'était une personne qui souhaitait pas avoir ce surnom-là. Et puis, on a sorti ce sujet-là, quoi. Alors, vous voyez, c'est des petits exemples. C'est l'histoire du colibri. Mais c'est ces choses-là, en fait, qui font que, en fait, à un moment donné, la personne se sent dans un environnement bienveillant. Parce qu'à force de creuser son sillon, le sillon se creuse. Hein. Ça se joue beaucoup, je trouve, dans la phase que tu as décrite, c'est-à-dire le onboarding, le moment où les gens arrivent, les premières impressions. Voilà, ouais, donc il y a une culture de l'oral dans le bâtiment qui est plus particulière, peut-être aussi dans la restauration et d'autres secteurs. Ouais, ouais. Dans d'autres secteurs, quand c'est un peu moins facile et moins spontané, parce que culturellement, ils ont moins cette habitude, on peut un petit peu forcer les choses. Alors déjà, je pense rassurer, et je pense qu'il faut beaucoup rassurer les jeunes, et notamment les alternants, parce que eux, ils osent pas. Et je les trouve d'ailleurs particulièrement... sinon dociles, en tout cas gentils avec leur hiérarchie, peut-être un peu trop parfois. Ouais. Et donc, il y a peut-être des choses... Alors, c'est un codir fantôme avec composé d'alternants et ils ont en fait pendant 6 mois on leur demande d'être en observation et au bout de 6 mois ils rencontrent le codir et ils sont à la place du codir. Donc il y en a un qui joue le rôle du DRH, l'autre qui joue là, et il dit moi voilà, ça fait 6 mois que je suis là, voilà de ce que j'ai remarqué, si je suis DRH demain, les 4 premières choses que je fais c'est ça. Et ça veut pas dire que ça marche à chaque fois et qu'il y a que des idées géniales, mais ça aussi c'est du design thinking. Le design c'est du recueil de feedback en permanence. Donc finalement écouter ses salariés pour faire progresser l'organisation, si c'est pas du bon sens. On fait des rapports d'étonnement également. Quand, au bout de 2 mois, en fait, quand la personne est dans son poste, en fait, on lui demande de nous dire ce qui l'a étonné, en fait, aussi bien en bien, pas en bien. Et c'est très, très, très bien. Ouais. Alors, comme je suis le maître du temps et que je vois qu'il s'écoule, peut-être juste pour conclure, faire un petit tour de table pour vous. Pour vous, c'est quoi l'enjeu majeur aujourd'hui pour le métier des ressources humaines, pour cette gestion de l'humain, des ressources humaines, de l'homme et de la femme dans l'entreprise? C'est une question un peu comme ça, voilà, comme ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément, Grégoire? Moi, je te dirais, c'est vraiment pouvoir en fait faire en sorte de conserver cette idée de bienveillance. C'est important dans cette société où on vit. C'est pas toujours simple. Donc, conserver cette idée de bienveillance, sans naïveté, avec de l'authenticité, et faire en sorte qu'une personne qui rentre, encore une fois, peu importe le temps qu'elle va rester dans l'entreprise, mais pouvoir développer en fait ses compétences, développer ses connaissances, lui donner envie de faire un parcours. Dans l'entreprise, tant mieux, mais lui donner envie. Vous voyez, le temps est court, hein, je redis, le temps est court et il faut vraiment... c'est important de passer du temps intéressant, de donner du sens. Quoi. Et c'est, si j'ai un message à dire, c'est vraiment continuons à être bienveillants, quoi. Dans l'authenticité, hein, sans être naïf, mais voilà, ça c'est important. Super. Anne, voilà, un enjeu majeur pour toi, là, pour le métier des ressources humaines, le métier ou la place de l'homme? C'est un peu dans la foulée de ce que Michel vient de dire. Il y aurait 2 mots là, spontanément, quand tu as posé la question qui me viendraient. C'est un, effectivement, cette notion de fertilité. Effectivement, grandir, se nourrir, s'inspirer. Voilà, et que ce passage d'expérience, il soit apprenant, il soit enrichissant. Et puis, c'est quand même, là, il y a tout un enjeu d'hybridation aussi. Et il y a plus de système fermé, en fait, là. Tout est perméable, tout peut s'interconnecter, les compétences, les personnalités, les systèmes, les entreprises entre elles, etc. Et vraiment, il faut accepter, il faut accompagner, il faut s'ouvrir à ces systèmes qui sont en train de s'ouvrir, enfin qui eux-mêmes s'ouvrent partout. Donc le DRH garant de cette espèce de fertilité et des mélanges et d'hybridation, c'est-à-dire qu'il va être celui qui chef d'orchestre, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Et je trouve que les directions des ressources humaines, moi elles mériteraient parfois de s'appeler les directions de la transversalité en fait. parce qu'elles couvrent tous les champs et c'est quelque part ce sont elles qui portent ce système global qu'est l'entreprise avec ce rouage humain au cœur. François, une idée, un enjeu majeur pour toi? Je vais reprendre ce que j'avais cité tout à l'heure sur une DRH qui s'est transformée récemment en RARE comme acronyme. RARE voulant dire richesse humaine, acquisition de talent, responsabilité sociale des organisations. Je pense que les RH sont un des métiers et une des fonctions support qui va le plus évoluer dans les 20 ans qui viennent. Il ne faut pas en avoir peur, c'est passionnant. Au contraire, je pense que c'est une fonction qui va s'enrichir et enrichir les autres parce qu'elle va avoir de plus en plus un rôle de conseil en interne sur ses transversalités, ses fertilisations. Je pense que le DRH de demain, c'est un metteur en scène de l'intelligence collective. Et s'il arrive à faire ça, ça sera déjà drôlement chouette. Et en tout cas, il y a des fortes attentes et il faut qu'ils sortent de la gestion du personnel pour vraiment aller vers cette valeur ajoutée de conseil. Il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Encore faut-il aussi que les dirigeants et les entrepreneurs aient conscience de ça et qu'ils peuvent peut-être aller chercher ça. C'est leur RH. Voilà. Merci. Valérie. Oui, je pourrais dire rebondir et je dirais plasticité aussi. Je reprends ce mot-là. Juste une info. Les neurosciences ont mené dans tous les pays d'Europe une étude pour mesurer le potentiel créatif des jeunes. Alors, je ne sais pas la technique qu'ils ont utilisée pour mesurer, mais partant du principe que quand l'enfant naît, il a 100% de potentiel créatif. C'est après que ça diminue. Ils ont, par une certaine technique et un protocole, ils ont mesuré à 12 ans ou à quel pourcentage on en était dans différents pays d'Europe. C'est la France qui est le plus bas. À combien de pourcents, à votre avis? Vous diriez combien? 15 ? 3%. À 12 ans, un enfant en France est à 3% de potentiel créatif. Donc on tue Mozart, à peu près, je dirais. Il y a 97% du potentiel qui est réveillé dans les entreprises. Et donc la fonction des RH, je ne peux qu'appuyer ce qui a été dit, est fondamentale et va rester fondamentale parce que on peut alors travailler sur l'enseignement, il le faut, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est vraiment cette plasticité et alors cette ouverture. J'ai bien aimé ce qui a été dit. On ne peut plus se suffire à soi-même. On ne peut plus dans un secteur ne penser que dans son secteur, on ne peut plus dans un domaine ne penser que par son domaine. Les réponses, elles viennent de chez l'anthropologue, de chez l'historien, de la personne âgée, de la grand-mère. Alors dans les entreprises familiales, les réponses, elles viennent aussi parfois dans la famille, tout simplement. L'épouse, le conjoint, les fondateurs, ils ont encore des choses à dire. Et les personnes à expérience dans l'entreprise ont des choses à transmettre aux jeunes. Et voilà, j'ajoute un troisième, cette intergénérationnalité va être un des enjeux aussi. Alors du coup, c'était une super transition de la créativité vers ceux dont on n'a pas tué la créativité. Et on me fait signe dans l'oreillette qu'on a des questions. Alors là, c'est l'improvisation totale. Est-ce qu'on passe déjà à la créativité incarnée ou est-ce qu'on pose quelques questions encore sérieuses, avant que vous puissiez conclure? C'était vous qui nous dites. Nous, on est là jusqu'à on a de la plastique, donc voilà. Peut-être les questions, on va prendre les questions et puis on conclura avec vous. Voilà, elles vont nous venir du public. Là, oui. Et il passe devant la caméra. On lui dit ne passe pas devant la caméra, qu'il passe devant la caméra. Attends. Voilà. Donc de Arnaud, il y a une question qui est avoir un plan de communication qui tienne compte de tous les types d'échanges, descendants, montants et transversaux. La communication d'entreprise doit permettre ces forums transversaux, sans les oublier et sans les sous-estimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc le rôle de la communication d'entreprise qui doit permettre justement de faire ce lien des forums sans les sous-estimer. Sans les sous-estimer et surtout, est-ce qu'on a vraiment cette capacité à avoir cette transversalité aujourd'hui dans les entreprises? Quand on parle de forum, là, c'est pas forcément des forums sur Internet, c'est des forums au sein des présentiels. Moi, je pense beaucoup que en binôme d'ailleurs de la fonction RH, la com interne, qui lui est pas toujours rattachée, a un rôle majeur à jouer, y compris pour se moderniser. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des directions de la communication, on a des directions de l'information. La communication, ça suppose l'échange, l'interaction. D'ailleurs, le geste, je ne sais pas si vous le connaissez, en langage des sourds, c'est comme un piston en fait qui vraiment montre l'interaction, qui est le propre de la communication. Donc, je pense qu'il y a des gros efforts à faire là-dessus. Innover dans les formats collectifs, aussi des temps collectifs, avec des forums ouverts, des hackathons, des barcamps, des marathons créatifs, que sais-je encore, parce qu'on s'emmerde farouchement dans les séminaires d'entreprise, encore un peu trop aujourd'hui, et heureusement de plus en plus d'entreprises prennent ces temps-là pour écouter, tout simplement. Et puis après, il y a aussi les outils collaboratifs quand même, les forums en ligne, les bases de connaissances, voilà, en rappelant quand même à nos chers DSI qu'un intranet collaboratif en 2022, ça s'appelle un réseau social d'entreprise, et qu'il est plus que temps là aussi qu'on y aille et qu'on ait des outils qui accompagnent ce qu'on essaye d'émuler en interne. Donc les forums, oui, les rencontres, oui, tout ce qui facilite la rencontre et la capitalisation et les échanges va dans le bon sens. Valérie. Oui, alors par rapport à cette transversalité, justement au niveau des entreprises familiales, transversalité entre les membres de la famille et les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est permettre que les nouvelles générations très tôt connaissent les métiers qui sont exercés dans l'entreprise et aussi les personnes qui les font. Et donc ça c'est vraiment important et on le fait, on l'organise, ça permettre vraiment des moments de questionnement département par département où chacun présente son métier, explique son ancienneté, pourquoi il est là, pourquoi il reste aussi, c'est son côté valise, son côté ballon, et ça c'est de la reconnaissance, ça c'est de l'intégration aussi, et c'est rassurant de voir pour les collaborateurs que les générations à venir s'intéressent à eux. Je retiens effectivement l'écoute, on revient sur le dialogue, ce qui implique aussi une nouvelle forme de communication, d'échange. C'est-à-dire que quand on est dans de l'information, dans un truc très descendant qui dit voilà, on vous informe que, les forums impliquent la discussion, peut-être même parfois la controverse, et d'écouter effectivement. Donc peut-être des nouvelles postures de communication aussi en interne. Oui, on fait. Alors nous, les forums, c'est Forum Emploi, et on fait venir les anciens élèves dans les forums pour discuter avec les jeunes. Dans les journées d'alternance, je reviens là-dessus. On fait venir d'anciens alternants qui ont eu un parcours dans l'entreprise, et ils viennent dire en vrai l'authenticité, qu'est-ce qui leur est arrivé. Voilà. D'autres questions voudrais, pardon. C'est parce que ça, c'est un cri du cœur aussi, c'est un constat que je ne l'ai pas encore vu assez, mais je trouve ça vraiment pertinent, c'est permettre à nos salariés de venir de temps en temps avec leurs enfants au travail pour qu'ils voient concrètement ce que c'est que travailler. Peut-être derrière un ordinateur, oui, mais oui, aussi voilà, en réunion, mais aussi voilà, voir ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde numérique, ils sont sur leur tablette avec des jeux virtuels, etc. Il n'en reste pas moins que manger, ça reste concret, voyager, ça reste concret, etc. Et donc il faut rester dans le matériel. Et au plus ils voient, et les parents peuvent montrer, expliquer, répondre aux questions, au plus, voilà, je trouve que ça c'est du bon sens aussi. Ah oui. Petite anecdote personnelle, depuis le télétravail que nos enfants nous voient travailler sur un ordinateur toute la journée, on a beaucoup de mal derrière à leur expliquer, ben non, en fait l'écran c'est pas bien, mais si c'est le boulot de papa, mais non, bon voilà, donc du coup on est rentré dans la discussion, donc voilà, je suis d'accord, mais certains métiers sont plus faciles à montrer que d'autres. Une autre question. Oui, une dernière éventuellement, Anne-Sophie qui pose la question suivante, que pensez-vous justement des filtres académiques encore en place dans les grandes entreprises qui privilégient souvent automatiquement via des logiciels, les parcours académiques, plutôt que... Les filtres académiques ? Les filtres académiques, j'imagine que ça veut dire un peu le process, un peu froid. Les process, c'est ça ? Les diplômes. C'est peut-être lié je pense, aux grandes écoles, par exemple, de dire... Exactement, oui. Si le patron est central, ben vous avez des centraliens. Ouais. Alors, chez nous, ça ne se pratique pas du tout. Et en plus, on développe l'alternance dans les métiers qui forment aux travaux publics. Donc, on n'a pas il n'y a pas de filtre. La réponse, c'est diversité, peut-être, en fait. De dire, attention, justement, soyez vigilants à pas de faire que de la cooptation de gens qui ont les mêmes parcours que vous, la même formation, etc. Et après, peut-être aussi qu'il y a un sujet, parce qu'en ce moment, on reçoit tous à peu près 20 propositions par jour pour une plateforme de e-learning ou des trucs en ligne. Bah, là aussi, c'est une question de bon sens et de dosage entre le présentiel et le distanciel. Moi, personnellement, je suis militant du mixed learning depuis 20 ans. Et je pense qu'il n'y a pas une solution parfaite avec une solution informatique parfaite. Il faut aussi du présentiel, parce que sans sociabilité, on s'en sort pas. C'est pas le moteur de l'humain, en tout cas, ça ne marche pas. Mais à l'inverse, éviter des déplacements inutiles et apprendre autrement sans rester enfermé dans les carcans de la journée de 8 heures d'apprentissage classique. Voilà, c'est tout l'intérêt de mixer des plateformes et des approches académiques un peu différentes. Sur ce sujet-là, alors bon, il y a quand même des limites, parce que par exemple, si on cherche un ingénieur spécialisé en géolocalisation informatique embarquée, c'est vrai que ça va quand même pas tout à fait s'improviser. Mais le travail, il va commencer, il commence depuis plusieurs années à se faire aussi du côté justement des universités, des écoles, avec des doubles diplômes, des hybridations qui sont en train de se faire. Enfin, et alors on peut être très fier à Nantes, parce qu'on a Nantes Université là qui vient d'émerger et qui est un terreau hyper fertile. Au sein de l'école de design, on est interconnecté avec énormément d'écoles partenaires sur des doubles diplômes, des hybridations, de l'émergence de nouvelles filières, etc., pour justement préparer les esprits de demain. Et on va bientôt voir arriver des ingénieurs médecins ou des médecins ingénieurs, d'ailleurs je ne sais pas trop bien comment ça va se positionner, des designers dirigeants stratégiques d'entreprise, enfin voilà, et tout ça est en train déjà de s'hybrider au niveau des écoles en amont, donc heureusement ça servira les organisations aussi derrière. Merci, voilà l'heure de conclure avec effectivement ceux qui n'ont pas perdu leur âme créative mais qui n'ont pas de micro. C'est peut-être ici. Oui, on vous propose pour terminer un grand jeu, le jeu de la créativité. Je reçois avec moi un stagiaire qui va bientôt devenir RH et il me reste à mesurer son taux de créativité pour pouvoir l'embaucher. Jean-Patrick, ça va ? Ça va, un peu stressé forcément. Bon. Comme au départ, moi je suis garagiste, géologue, spécialisé dans tout ce qui est tectonique des mouvements, mais appliqué aux notions humaines, avec un parcours au départ de pâtissier. Voilà, j'essaie de trouver ma place. Oui, mais vous allez voir, ça va bien se passer si vous répondez bien à ces questions. Attention, notre grand jeu, créativité et sens. Alors, créativité et sens, première question, une question, symétrie des attentions. Hop, hop. Oui, c'est bien déjà au niveau du mouvement. On est sur les bases. Emovere ou Imouvrini ? Émotion, Imouvrini. Classique. Hop, vous pouvez pas avancer plus. Vous devez envoyer un mail à votre manager. Est-ce que vous pouvez le faire ? Non. Il est 17h45. Je plaque tout. Je vais au pub boire un verre avec les copains. Oui, très bonne réponse. Donnez 5 valeurs d'entreprise les plus communément nommé. Respect, transparence, engagement, rigueur. Et professionnalisme. Oui, il vous manquait la dernière. Je sonne la cloche, je monte sur un bureau pour crier que ce qui est important, ce n'est pas le bonheur au travail, mais le bien-être. Très bien, 10 secondes de Claude François. Attention, digital détox. Voilà, c'est bien, on continue. Vous êtes plutôt valise et ballon ? Je suis valise et ballon, ou Venise et des boulons, ou balise et des melons. Balise et velon, évidemment. Est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mal ? Ça va bien. Tant mieux. Rare, QVT, RSE, Pro. Je change de chemin, je deviens Chief Happiness Officer, même si c'est bullshit. Très bien. Confiance, usage, contrôle. Vous êtes dans un shadow codir. Vous êtes... Je ressonne la cloche une deuxième fois. Et non, il fallait faire un feedback surprise. Ah. Et pourtant, c'était pas loin. Dernière question. Bonus de rattrapage. Oui, joli. Alors que c'est pas prévu et que je n'ai aucune circonstance pour le faire, j'amène mes enfants au travail. Bravo! Et ce dernier passage vous donne 175,5 qui vous fait passer au-dessus de la barre de 4A. Vous êtes embauché. Je tue Mozart. Ah, c'était Chopin. Ah, c'est dommage, c'est passé à ça. Dommage, Jean-Thierry, faut que soit votre prénom, je m'en souviens plus. Jean-Pascal. Écoutez, Patrick. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre CV, de toute façon, on les lit pas. Non, merci. Je m'en fiche parce que j'ai une journée apprenti chez Charrier, donc je vais y aller tout de suite. Ils sont vachement plus sympas que chez vous. Eh oui. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi. Bravo à nos amis de la Belle Boite Lavrée, l'entreprise qui introduit. Oui, pour de vrai, on fait des trucs super, pas que des blagues, hein, parce qu'on est aussi des gens bien. Voilà, en séminaire, en formation, en RH, en atelier, enfin vous trouverez tout ça sur LinkedIn. Voilà, on n'a pas beaucoup parlé d'humour en entreprise, mais bon, si vous avez des questions, on est disponible. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci à Belle Boite qui rejoint donc le mouvement Belle Boite qui questionne l'entreprise. Merci à vous d'être venus. Merci pour ces échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Pile à l'heure.